Tous ceux qui souffrent d'une maladie chronique, n'importe laquelle, que ce soit la polyarthrite rhumatoïde, que ce soit la maladie de Lyme, la sclérose en plaques, la maladie de Charcot, que ce soit des migraines, une fibromyalgie, je l'ai déjà dit, le lupus, quoi que ce soit, il faut savoir qu'on doit avoir le bon type de B12 dans le corps. C'est l'autre réponse. J'ai vraiment de la chance parce que l'esprit me dit ce qui entre dans notre monde naturel et ce qui aide les gens à guérir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la donne? Il y a un type de B12 qu'on doit tous prendre si on souffre d'une maladie chronique, l'adénosylcobalamine. Voilà. Il y a aussi la méthylcobalamine. Quand on va chez le médecin ou chez un praticien et qu'il vous prescrit de la B12, ce sera probablement de la méthylcobalamine. C'est ce qui est utilisé. Ça ne guérit pas les problèmes neurologiques des gens. Grâce à l'esprit, j'ai convaincu des médecins et des praticiens d'aider leurs patients à vraiment guérir en leur disant qu'il faut de l'adénosylcobalamine mixée avec la méthylcobalamine. Les deux ensemble aident à guérir le système nerveux. Ça sort les gens de tout ça. S'il y a quelque chose à retenir ici, c'est ça. S'assurer du bon type de B12, ça changerait votre vie.